Trésor, mémoire de radio, présente. Trésors, mémoire de radio, présente. 13ors, mémoire de radio, présente. 13ors, mémoire de radio, présente. Merci, et oui, comme vous l'a dit Guy, en vous souhaitant un très très bon début de soirée à vous toutes et à vous tous, eh bien c'est la finale de la semaine, avec au bout de cette finale, une cagnotte dont le montant s'élève à 60 000 francs. En direct avec Julien Lepers, animateur de Questions pour un champion qui a travaillé à l'époque également avec Pascal. Bonjour Julien Lepers. Voilà, c'est bouleversant. Hein. Bonjour à tous. C'est vraiment bouleversant ce que j'entends. Je suis pas loin des larmes. Ouais. Et très dur. Ouais. Je crois qu'on est tous émus en réécoutant ces propos, en réécoutant ce long combat qu'a mené Pascal Brunner. Hein. Ben, bien sûr, c'est un combat. Moi, je le voyais très souvent. Je suis très souvent à Nice. Et donc, à chaque fois que j'étais là, il m'appelait et on se voyait, on prenait un café, on parlait du passé, du présent, de l'avenir. Et j'essayais de lui remonter le moral. Il n'avait pas toujours le moral. Je savais. Moi, j'ai cru à une rémission. À un moment, je me suis dit, il est sauvé. Et depuis un mois et demi, ça allait très très mal, de nouveau très mal, et depuis une semaine, on savait qu'il était perdu. Depuis une semaine. Franchement, je suis pas loin des larmes, c'est extrêmement dur, parce que c'est une impression de gâchis total. Vous rendez compte, 51 ans. Il savait tout faire, ouais. Animation, chanson, imitation, théâtre, il était excellent dans tout, quoi. Et dans Facile à chanter, il était parfait, il y avait que lui pour faire ça. Franchement, c'est dur. Moi, les mots viennent difficilement, Jean-Marc. Oui, c'est dur et on l'a entendu. En même temps, il était très lucide sur lui-même. Il était très lucide sur ses excès, sur ce combat. Ouais. Et c'est très dur de ce qu'il a vécu par la suite, en se retrouvant dans une situation difficile, sans argent, et puis avec les médias finalement qui ne faisaient plus appel à lui non plus. Ben, ils ont tourné le dos, mais c'est assez classique, ça. Mmh. Bon, mmh. Mais pas tous quand même, parce qu'il parlait Pascal. La l'interview que vous avez faite, je l'ai regardée encore hier sur le blog là. Ouais. C'est extraordinaire. C'était il y a combien de temps? Il y a deux ans, oui, tout à fait. Il y a deux ans. Ben, il dit tout, Pascal, en fait, il dit tout. Et puis, il jette pas la pierre, et il dit, c'est ma faute, c'est ma plus grande faute. Je veux dire, c'est alcool. Voilà, ben ça, c'est lourd de leçons à prendre, hein. Alcool et cigarettes. Et puis, oui, les médias l'ont tourné le dos, peut-être, mais pas tout le monde. Gilbert, il parle de Gilbert Montagnier, il était extraordinaire, Gilbert. Dans le cas de Pascal. Christian Estrosi aussi, qui lui ont prêté un appartement. Il y a eu beaucoup de monde autour de lui. Ces musiciens aussi qui l'ont aidé. Mais il y a un moment, on peut plus rien faire, quoi. C'est trop tard. C'est trop tard. Le mal est fait. Quelle image vous aimeriez qu'on garde de Pascal Brunner? Quelle image vous garderez-vous? Quelqu'un de très attachant, de très drôle aussi, très drôle, très généreux, parce qu'il faisait rire tout le monde. Il faisait rire tout le monde, pas uniquement sur scène. On allait dans un restaurant, ça y est, on avait droit à un nouveau show, d'une demi-heure de show dans le restaurant. Mmh. Il faisait rire tout le monde, donc très, très attachant, très généreux, très drôle, très talentueux et gâchis total. Assis à son pupitre, un tout petit garçon lit le premier chapitre d'une récitation. Il voit même quelques anges sur sa planète des songes, et son poème se change en chanson qu'il prolonge. Quand la maîtresse l'appelle, il monte sur l'estrade, devine une ritournelle, puis le début d'une balade.
balade. Ils se retournent sans peur, soudain ces petits copains deviennent des spectateurs et tapent dans leurs mains. De la cour d'école à la cour des grands, il y a un rêve de différence. Ce sont d'autres paroles, d'autres parents. De la cour d'école à la cour des grands, c'est un peu son jeu de la chance. Les leçons, les devoirs s'avancent. Éloigné des pupitres, un tout petit garçon finit le dernier chapitre de son cahier de chansons. Par un sirotiphon, il entre dans la ronde. Sera-t-il le Gailluron ou bien Thierry la Fronde? Entre sa salle de bain et la salle de spectacle, il y a des jeudis destins dans cette cour des miracles. Même si le rideau rouge remplace le tableau noir, le petit garçon qui bouge fait chanter sa mémoire. De la cour d'école à la cour des grands, il y a un rêve de différence. Ce sont d'autres idoles, d'autres élans. De la cour d'école à la cour des grands, il s'imagine dans cette danse, la récré est là, tout en nuance. Debout devant le public, le petit garçon salue, ses pensées en musique s'envolent vers l'inconnu. Un rêve sans étoile est un rêve oublié, mais des stars sur sa toile, il en a par milliers. De la cour d'école à la cour des grands, il y a un rêve de différence. Ce sont d'autres classes, d'autres places. De la cour d'école à la cour des grands, si le petit va dans le bon sens, il exaucera son vœu d'enfance. José, y avait Kamel, sans parler du fameux tonton Victor. Tout le monde l'appelait le petit prince de la banlieue nord. Je lui disais, s'il te plaît tonton, dessine-moi un mouton. Vu qu'il était bouché au hal, il avait le coup de crayon. Quand il avait le coup de noir, ça c'était du sport. Tout le monde l'appelait le petit prince de la banlieue nord. Il chantait oh, 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 oh. Et ça faisait oh, 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 oh. Son audimat à lui, c'était le petit bar d'à côté. Son rêve à mon tonton, c'était passer à la télé. Sa chanson, c'était les copains d'abord.
tout le monde l'aimait, le petit prince de la banlieue nord. Il chantait oh, 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 et ça faisait oh, 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 oh. Et d'aussi loin que mon cœur s'en souvienne, ta voix, tonton, tu sais, je l'entends encore. Et pour endormir la petite qui est la mienne, je lui raconte le petit prince de la banlieue nord. Qui chantait oh, 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 oh. Et ça faisait oh, pendant de nombreuses années, on n'avait plus vraiment de nouvelles de lui. Pascal Brunner sort aujourd'hui de son silence. L'ancien animateur de Facile à chanter sur France 3 revient sur le devant de la scène à l'occasion de la sortie de son livre, un livre émouvant qui s'appelle Gloire, Galère, Cancer, Je paye la note. Un livre dans lequel il se raconte, il raconte sa descente aux enfers, la manière dont il a surmonté le cancer dont il a été victime également. Pascal Brunner, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci d'être en direct. C'est vrai que le livre est touchant, est émouvant, même s'il y a de l'espoir au bout. Évidemment, c'est au bout, c'est le message. Et vous racontez alors en particulier ce que je pense pas grand monde ne savait, votre combat contre le cancer, cancer de la gorge. Mais j'ai voulu, forcément je ne pouvais pas parler à un moment. Donc je me suis vraiment concentré sur moi, sur la bataille pour y arriver. Et après, une fois que j'ai pu reparler à peu près normalement, je me suis dit, ça vaut le coup de faire un livre avec la complicité d'Isabelle Godon et les éditions Pygmalion. Qu'est-ce que vous aviez envie de dire au travers de ce livre? Parce qu'il y a beaucoup de choses, il n'y a pas que la bataille contre le cancer, parce que vous parlez de choses assez personnelles également, bataille contre l'alcool. Bah oui, parce que on a joué la carte de la sincérité. C'est-à-dire, on raconte tout. Donc c'est vrai que il y a eu plein d'abus, la cigarette, l'alcool, la 40, fête. 40 cigarettes par jour, hein, c'est ça. C'est-à-dire comme on faisait le jour et la nuit, on fumait pas mal. Maintenant tout ça est arrêté et j'en suis ravi et ça ne me manque plus. Donc je suis drôlement content. Mais c'est la faute à quoi? C'est la faute au succès? C'est la faute à la médiatisation? C'est la faute aux médias? Ou c'est la faute Non, c'est ma faute à moi, tout simplement. Moi j'ai toujours aimé faire la fête et il y a un moment j'ai pas su m'arrêter. Et le titre « Je paye la note », c'est le chirurgien qui me l'a soufflé. C'est-à-dire qu'en fait, tout ça, finalement, vous vous dites c'est ma faute, quoi. Oui, mais c'est la résultante du cancer de la gorge, voilà. Vous parlez également d'argent, puisque vous dites que vous avez vécu au RSA. Pendant un moment, j'ai eu le RSA, et après, l'allocation adulte handicapé. Vous comprenez que pour les gens qui nous écoutent, ça paraît hallucinant parce qu'on a l'image de l'animateur télé, l'animateur vedette, l'animateur star. Vous faisiez en plus des tournées, vous étiez à Europe 1. Enfin voilà, vous étiez une vraie vedette. Et on se dit, mais comment on peut tomber au RSA quand on est une vedette à ce point-là? Je veux dire que ça peut arriver à tout le monde, mais que avec le moral, la niaque, on peut s'en sortir. Et on a des équipes médicales en France qui sont vachement performantes, et donc faut y aller, quoi. Vous dites dans votre livre que vous aviez peur des médias pendant cette période. Vous aviez peur que les médias s'emparent de votre maladie. Je voulais que ce soit moi qui dise en premier la vérité. Vous aviez peur quoi? De titres sensationnels? Ouais, à la con, comme ils font souvent. Ouais. Pascal Brunner, je voudrais Jean-Marc Morandini. je voudrais revenir sur justement cette descente aux enfers. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous vous êtes rendu compte qu'il fallait arrêter? C'est quand vous avez su que vous étiez malade? Oui. On m'a tout de suite prévenu. Autrement, vous auriez continué, vous pensez? Oh, de toute façon, je pouvais plus jamais trop mal à la gorge. Quand vous avez une boule de 2 cm qui vous pousse la glotte, la luette, ça commence à faire peur, quoi. Et après, on m'a fait les prélèvements traditionnels. Et l'ORN m'a pris tout de suite rendez-vous à Nice, à l'hôpital La Cassagne,
où j'ai été opéré par le docteur Poissonnet, que j'appelle dans le livre le docteur passionné. Mmh. Et parce que c'est vraiment un type super, et l'équipe infirmière, tout ça, super. À laquelle vous rendez beaucoup hommage également. Vous dites, j'ai failli devenir SDF. J'ai pas failli, c'était limite. Mais Gilbert Montagnier m'a vachement aidé. Avec Nicolas Estrosi, j'allais dire. Christian Estrosi. Et grâce à eux, j'ai pu avoir ce qu'on appelle un appartement thérapeutique. Parce que c'est des amis qui vous ont aidé, c'est voilà, ça. Voilà, ouais, c'était des proches. Et puis, ma femme, ma fille, mes musiciens, tout le monde a été toujours là à mes côtés. Contrairement à ce qu'on a pu dire dans la presse. Qu'est-ce qu'on ressent dans ces moments-là quand on a connu la gloire, quand on a connu la lumière, quand on a connu la télé, les plateaux, et puis qu'on se retrouve dans une situation comme celle-là, on est obligé de demander de l'aide? Ouais, mais ça fait partie du genre humain. Et on s'aperçoit finalement que les gens vous aident bien. Et je suis arrivé juste avant de venir chez toi, le public qui était dehors m'a vachement salué. Ça vous touche encore? Ah ouais, bien sûr. Aujourd'hui, quand vous pensez à l'avenir, vous voyez quoi? Alors, je continue. Parce que c'était votre voix, en fait. Oui. Enfin, c'est... Alors, il se trouve que votre succès, vous étiez imitateur, voilà. Ah. C'était votre voix qui était votre plus, votre côté bien artistique. Sûr. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous Alors, dites? Alors, maintenant, j'ai plus aucun traitement, mais j'ai des séances d'orthophonie avec Stéphanie Ferrière, là-bas à Nice. Parce que vous avez une grève du palais aussi. Oui, j'ai une grève du palais, ouais, qui est prise à partir du poignet. D'accord. Alors je montre, c'est pas radiophonique, non, mais bon, comme ça tu verras. Donc maintenant, séance de rééducation, et j'ai recommencé à faire des imitations. Vous recommencez en fait? Voilà. Alors je recommence par les plus simples, hein, pour mettre un peu la position, n'est-ce pas? Et je rencontre donc en arrivant chez toi Michel Drucker, ouais, qui me dit, tu vas voir, il y a deux jeunes imitateurs, ouais, qu'on aura, c'est tout à vachement bien. Qui vont arriver tout à l'heure, justement. Vous parlez de chance, je l'ai dit dans votre livre, vous parlez de... finalement, vous avez envie de positiver tout ça. Vous vous dites, ça devait arriver. Oui, c'était cousu de fil blanc, quoi, finalement. Mais je ne m'attendais pas, encore une fois, à tomber sur cette équipe qui m'a vraiment bien entouré. Vous parlez de l'équipe médicale. Ouais. Vous en voulez à quelqu'un dans votre parcours? Est-ce que la télé, qui à un moment donné vous a lâché quand même, parce que voilà, on peut pas dire qu'on vous ait beaucoup tendu la main dans cet univers des médias et cet univers de la télé, est-ce qu'ils sont pas un peu responsables finalement de la chute, ou vous avez pas envie d'aller sur ce terrain-là? Non, j'ai pas envie d'aller sur ce terrain-là parce que je prends toute la responsabilité sur mes épaules. Je sais ce que j'ai fait. C'est pas trop lourd à porter? Non, ça va vachement bien maintenant. Ouais. Regarde, j'ai le sourire. Hein. Et pourquoi on vous a laissé tomber, hein, à un moment donné dans l'univers de la télé? Je crois qu'à un moment, avec Facila, on avait fait un peu le tour de la question. Ouais. Et vous le savez aussi bien que moi, quand une émission est longue, il y a des moments, surtout à 20h, où on est exposé en face des journaux. Ouais. Bon, bah, à un moment, elle chutait un petit peu. On a jugé utile de s'arrêter au moment où elle était en haut, plutôt que d'attendre... Mais vous auriez pu rebondir derrière, vous auriez pu repartir... Ah mais je suis reparti sur scène, moi. Ouais. Je suis reparti avec Colombo, je suis reparti au théâtre avec Vanik Le Poulain. Et l'alcool, à un moment donné, vous a détruit? Ah ben forcément, à un moment, comme on dit, on paye la note. Hein. Ouais. Et l'alcool, c'était pour quoi? Vous savez, aujourd'hui? Je crois que c'était pour m'éviter le stress, l'angoisse. Alors que ça ne veut rien dire. Et que ça fait du mal. Alors maintenant, je suis ravi d'avoir arrêté tout ça. Aujourd'hui, vous avez arrêté tout ça, voilà. Et aujourd'hui, vous avez envie de remonter sur scène? Vous avez envie de... Oui, je suis repartir. En train d'écrire mon nouveau spectacle. Et puis, tiens, bah, s'il y a une place à Europe 1 bientôt, bah, je voudrais bien refaire de la radio. Ah oui, parce que vous faisiez de la radio ici. Ici, bah, oui. Ça s'appelait Brunner à vif. Brunner à vif, ouais. Prendre les voiles d'un bateau pour l'Amérique, être lanceur de couteau dans un vieux cirque, jouer le dernier héros des romantiques, être laveur de carreaux d'une basilique, inventer des mots nouveaux dans son silence, lui rebâtir des châteaux
de sable et d'espérance, lui redonner les oiseaux de son enfance, lui offrir comme un cadeau sa déchirance. Pour une femme, être un autre homme. Pour une femme, être celui qui pour une femme a brûlé Rome, qui pour une femme quitte un pays. Parler de ce roi fou, de sa légende, se glisser à ses genoux sans qu'elle demande, être l'agneau et le loup de Brocéliande, accrocher des fleurs au cou de ses guirlandes, prendre les ailes d'un avion pour la Guyane, être joueur de violon au pays des tziganes, aller caresser des lions dans la savane, être goûteur de poison des sarbacanes. Pour une femme, être un autre homme. Pour une femme, être celui qui pour une femme a brûlé Rome, qui pour une femme quitte un pays. Pour une femme, être un autre. Les grands moments ne suffisent pas. Voilà, oui. C'est le premier livre, mais oui. Bah oui, parce que j'ai eu qu'un seul cancer, alors je... Ah mais il y a tout là. Ah, ça raconte un peu sur cette histoire, quoi. Ouais, ouais. C'est vrai, ouais. Mais ça va durer... Mais nous, à un moment, on a vu ça pendant 7 ans. Donc à un moment, quand on a vu qu'elle chutait un peu, on a préféré s'arrêter en la laissant en haut. Il y avait... c'était 5 millions tous les soirs. Hein. Ouais. En fait, mais je préférais l'arrêter au moment où elle était au mieux. D'ailleurs, c'est la preuve, c'est que maintenant même les gens continuent à en parler. Bon, allez, ça se roule bien. Mais je l'ai joué pendant 7 ans, j'ai eu un 7 ans avec ce bébé, donc voilà, c'est bien. Ça c'est grave. Mais ouais, parce que c'est pas tellement que ça coûte cher, c'est que c'est tellement chien maintenant. Que les gens sont déplacés dans tous les sens. Mais le problème, je pense à ma vie, quand on met à 0h40, ça ne peut pas... Par contre, pour Daniela, bon, moi je suis déçu parce que le dimanche après-midi, il faut me farfonner. Hein. D'ailleurs, elle farfonnait. Ça c'est... ouais. Mais je ne fais pas espoir de revoir mes émissions de variété.
quand on affichait le refrain Champs-Élysées, je suis pas dans les films en ce moment, mais en ce moment, Fouquet, il anime l'émission à 9 faces, c'est, il le fait d'une manière superbe. Ouais. Alors là, en ce moment, j'ai une séance d'orthophonie, et je vais revenir sur scène dans la reprise de Chevalier et l'Asphalte, ma femme s'en fait morose, avec le rôle principal. Évelyne Leclerc et une voix. Voilà. Thank you.